Voilà, donc les cruiseurs vétérans sur la piste, attention, plein centre, Philippe Charvet chez les Docks, Philippe Charvet, c'est Philippe Charvet finalement qui prend l'avantage. Attention également à Fabrice Corsis, on l'a bien placé, Nathalie qui peut peut-être sortir en deuxième position, non, c'est Thierry Docks, Fernando qui est à la deuxième place, c'est la première fois, Philippe Charvet est en train de se réunir, donc c'est très difficile à rejoindre. On vient de passer le stade de la mi-course, c'est toujours Philippe Charvet aux avant-postes, Thierry Docks à la deuxième position. Et le peloton derrière en haut par l'Américain de Matos à la troisième place devant Marc Svenen et Fabrice Persuzan. La dernière ligne va être engagée maintenant et le vainqueur du jour sera bien Philippe Charvet.